Bonjour à tous, c'est Barbedousse. Alors on se retrouve vite fait sur un tuto assez court sur les thèmes. Donc en fait, je viens de découvrir ça ce matin. J'ai créé un compte exprès pour vous faire une petite vidéo, histoire de pas non plus vous partager mes logs, hein, normal. Du coup, au plus simple, on peut changer les thèmes sur Dofus. Tout simplement. Vous pouvez aller sur Dofus Tool, que je vais afficher juste ici. Voilà, vous mettez Dofus Tool, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez. Sinon, vous marquez Dofus Thème et vous tomberez sur le lien assez rapidement au niveau de Google. Donc, vous pouvez appliquer n'importe quel thème créé par des joueurs. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'aller choisir votre thème comme ça. Vous prenez le lien d'installation qui se trouve juste ici. Faites copier. Une fois que vous avez copié votre thème, vous allez sur Dofus, faites Échappe, Option, Thème. Et là, installer un nouveau thème. Vous mettez votre lien de thème, faites valider, et là, ça va télécharger votre thème jusqu'à 100%. Une fois ceci fait, vous cherchez votre thème dans la liste, vous faites appliquer ce thème. Je vais vous montrer avec ce thème-là que j'aime bien. Enfin, à préciser aussi qu'il y a certains thèmes qui changent de mode tactique, comme celui-là, ici. Tactique mode qui change, celui-là un peu aussi. Je vais appliquer ce thème parce que c'est celui que j'utilise maintenant, c'est le thème 1.29. Donc ça relance votre jeu automatiquement, ça vous met le thème d'interface personnalisé. Pendant le chargement, vous pouvez le rétablir par défaut. Donc, attendez, là. Donc, mot de passe. Voilà, nickel. Donc vous voyez déjà que ici le thème a changé. Tout a changé ici. Et là, pareil. Pour connexion, jouer, tout a changé. Y compris l'interface, absolument tout change en fait. Et suivant les thèmes, ça peut différer. Donc voilà, l'inventaire a changé. On se retrouve sur un petit inventaire 1.29, bon, quand même vachement lifté. Et avec le petit boon qui nous manque. Et donc je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poster vos questions en commentaire. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, ça me ferait vachement plaisir d'avoir des retours. Sinon, je vous dis à la prochaine. Ciao!